Yes, c'est parti mon kiki, on continue Train Sim 4. Alors la dernière fois, on essaie de faire le scénario de la Sela Express Amtrak. Grande vitesse des États-Unis. Alors j'ai eu plein de bugs. Je l'ai refait hors vidéo. Et là, j'ai pas eu un seul bug. J'ai pas compris. Bon, enfin soit. Alors on va attaquer, allez, on va faire. Je viens de me nettoyer. Je viens de me nettoyer. Le train a besoin de nettoyer. On fait le tour de la boucle pour nettoyer avant de passer à l'itinéraire complet. Alors on va nettoyer le train. On va nettoyer tout ça en souplesse. Je viens de nettoyer. Ta 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 ta. Oh merde, je fais encore de la neige. Et par contre, les amis, j'ai oublié de vous montrer que j'ai bien débloqué. J'ai oublié de vous montrer ça, attendez. Rien, on va recommencer après. Menu principal. On va le refaire. Hein. Fracassez pas. J'ai débloqué le 3 mâts, hein, finalement. Il était bien débloqué lorsqu'on avait fait l'autre quête. Je vais vous montrer d'ailleurs. Dans récompense de maîtrise. Voilà la frégate. La fameuse frégate, on l'a bien débloquée. Elle se trouve dans le port de Boston. Quand on est dans la gare. Je l'ai vu quand j'ai fait l'autre horaire hors vidéo. Malheureusement, c'était hors vidéo. J'ai fait un screenshot, mais. Allez, on va faire. Je viens de nettoyer. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est parti. On le fait. On va faire les 3 scénarios de la Sela Amtrak. Appuyez sur le bouton activé. Oh, il fait tout noir. Ah, c'est les quelle heure? 6 heures du mat. Bienvenue à Boston South. L'unité a besoin de nettoyer. Activez la cabine, non, je vois rien. Derrière. Ah ouais, il faut se lever. Alors, j'active la cabine. Je ne me souviens plus les boutons, moi, ici. Inverseur sur neutre. Levez le pantographe. Ah ouais, ça, c'était autre truc, ça. Ah voilà, ça s'allume. Marche avant. Desserrage du frein automatique. On fait de la traction pour se déplacer. Les phares sont mieux, toi. Un phare. Bah ouais, on le voit. Complexe de lavage de train de la boucle humide. Passer au lavage. On va faire le carouage quoi. D'accord. Ah ouais, c'est du 8 à l'heure. On va faire le carouage. Et ensuite on fait un train. Pause. Pas aller trop vite, hein. 24, 5. Même pas. 15 à l'heure. Il y a trop de changements de vitesse tout le temps. Plafonnier activé. La lumière du plafonnier. Un peu mieux comme ça, c'est joli, hein? C'est parti pour faire le. On va faire la. On a quoi une voiture? Oui, voiture. Avec des feux de lumière, quoi. Aller. On va voir si je vais le mettre en drone. Oh là là, on voit rien quelque part. Hein.
C'est bien, on voit les illuminations. Et le bateau, il est là, les amis des trois mâts. La frégate, oui, elle est là. Elle est au port de Boston. Ah, ben, je l'ai pas rappelé. Elle est juste à en entrée au port de gare. Je vais prendre quelle façon on va. Vous avez vu la frégate? Bon, là, c'est un peu sombre, mais bon. Complexe de lavage, la boucle humide. Il y a moins d'un kilomètre. C'est sûrement, on fera du 8 à l'heure, là. C'est 5 à l'heure le carouage. En plus, ça descend là. Il n'y a pas un petit frein. Pas un frein. Ah, une petite reprise de vitesse, mais je vais pas tirer. Je sais pas si on fait le 8 ou pas. Ça dépend de l'itinéraire. Hein. On va sur l'itinéraire du 8 ou pas. C'est le voir ça. Je mets pas la vitesse sur le plan. On va espérer qu'on reste au 40 à l'heure. Pas possible. Peut-être 100 mètres. Ouais, c'est 8 à l'heure pour le carouage. On va se préparer pour le 8 à l'heure, les amis, parce que c'est sûr. Mètres, encore un feu jaune. On est sur du plat, ça c'est bien. On doit arriver sur le 8, je vais préparer. On va se préparer pour le 8 à l'heure. Ça reste pas, ça va aller. Je sais pas si ça va être le carrière. C'est devant ou pas? C'est juste le pression. Ouais, on est au 8 à l'heure. Hein. Regarde, on est passé au 8 à l'heure. C'est normal pour le carrosse. Logique. Ouais, le carrosse, on fait un 5 à l'heure maximum. Moi que je suis les Américains, ils font ça 40 à l'heure. Hein. Bah, c'est les balais de lavande. J'ai pas de chance, hein. On prend petit un petit peu de vitesse parce que là il y a un petit profil descendant, tu vois. Ah, ça remonte, ça c'est bien. Je préfère ça, je préfère donner un petit coup de traction de temps en temps que de donner un petit coup de frein. Donc à l'automatique, c'est compliqué. Ah, il continue à prendre la vitesse, hein. C'est la queue qui pousse. Queue du train toujours en descente. Et 300 mètres pour le l'endroit du carrosse. C'est un éclair ou un truc de caténaire. C'est plus tard que l'électricité. Par contre, on a repris encore un peu de vitesse. 200 mètres pour le lavage. Pour le 8 à l'heure. Hein. Ah, je me suis pété là. Je suis en drone. Je suis en drone.
Ouais, 40, c'est quoi? Non, 40, viens de là. C'est 40, c'est quoi? On reste dans le truc. On a bien fermé les fenêtres, hein. Ça se fait avec la boussée. Ah oui, ils font le carrouage à 8 à l'heure, d'accord. Voilà les jets d'eau. Comme ça va se prêcher. On est là, on fait le carrouage. Je prends ta bouche. L'avant du train à la queue là pour le carrosse, c'est un long carrosse ici. Ah, c'est plus long que le carrosse. Lui, c'est pas si long que ça. Beaucoup plus petit. Ah, garanti. Excellent, le train est tout propre. Attendez, la queue du train n'est pas pour laver là, les gars. Attendez. La queue n'est pas lavée là. Il n'y a pas qu'on passe la queue là. C'est arrêté à l'emplacement station. À PlayStation, à Boston Soul Station. On va prendre, on va perdre de la vitesse. On va monter à 7. Ah, la queue du train dans le carré. Incroyable, Boston, le nombre de trous qu'il y a, c'est super. Je le touche, voilà. On va sur Stéphane, 2 km, ok, une petite trotte, enfin une mise à quai sûrement. Sur station, on embarque, on change de côté. Oh, on peut être sur avec une voiture pilote de l'autre côté alors. Je ne sais pas si on peut pilote en cours, c'est pas possible. Oh, c'est une autre cour, j'ai une rame entourée là. Il y a une loco de chaque côté du train. On en a une alors. À moins que ce soit une rame comme ça passe partout. Pas des locaux, ça fait partie de l'engin. Avec un engin automoteur de chaque côté. Amtrak, ouais. Enfin, c'est Amtrak, ouais, c'est un automoteur. On est pas bien pour tous ces engins. On a fait le carwash. On n'a pas encore eu la reprise, on est toujours dans un faisceau à août alors. C'est pas mieux quoi. Ouais, apparemment on s'éloigne de la station. Ah oui, ça en fait une boucle. Parce que là, j'ai dit on est en train de faire. On est en train de se rééloigner. Ah, on fait carrément. C'est une boucle carwash. D'accord. J'ai compris. C'est une boucle pour le nettoyage. Attention parce que là on va trop vite les amis. Ça va, il va freiner tout seul.
J'aurais dû pousser la traction sans m'en rendre compte. On perd de la vitesse, ça monte très fort. Il commence à tomber des gouttes d'eau, de la neige. J'ai reçu quelque chose sur mon pare-brise. On des gouttes. Ça plonge. Moins vite. Oh, il n'y a pas de choix. Intermittent, je peux pas. Ah, ça c'est bien. Ah, ça remonte encore. Intermittent, c'est bon. Profil bizarre. Un profil yo-yo, comme j'appelle. Au niveau de la chose, c'est bon. Ah là, ça descend. Là. Ça remonte. Ça replate. Ça redescend. Je sais pas. Je vais te prendre un petit coup de frein. Descends encore. On va faire une reprise à 40 et peut-être vous montrer un des 8 voitures qui repassent. Une bonne chose. On a bientôt fini notre boucle. Ah oui, on va carrément cul-de-sac. On va garer cul-de-sac, puis sûrement on va faire midi à qui en gare. Ici, sûrement. Non? Je sais pas si c'est là. Là, la gare. Je sais pas si on a encore pris de la vitesse. C'est bizarre parce que c'est un profil plat et je prends de la vitesse malgré tout. Je peux pas passer le 40 à l'heure. On va rester autour de 20 parce qu'il y a le 24 et le 16 après. Et cul-de-sac après. Avec le brouillard, on voit pas grand-chose.
sur du plat. Enlever ça, c'est excellent, bizarre. Profil ne respecte pas. Du sport, hein. Moins 40. Ouais, on va monter à 20. Hop, hop, hop. Arrive au 24. Et ensuite, on aura le 16. Youbibibibibibidou. De côté hein. Le cul de ce sac pour un jaune et puis après l'autre jaune il y aura le sel. On est sur du plat. Deux, entre 200 et 220. Elle aime bien les petits pains. J'en rachèterai plus. Ils sont bons, hein, ça, je trouve. Je trouve qu'ils sont très bons.
Des petits pains au four, c'est trop bon. Des friperies à carré chauffé, mais c'est super bon. Il faut mettre un peu d'eau dessus, attends. Moi j'arrive dans le cul-de-sac. J'arrive dans le cul-de-sac. Bon, enfin, des j'espère que ça va aller. Je vais juste sauvegarder, je sens que ça va encore des emmerdes avec les engins. Et je fais une mission où j'ai eu des bugs. J'ai cru en vidéo, j'ai pas eu de bug. Bizarre. Ah, sur le quai, il y a des gens, attention. Ah ouais, il y a des gens dans le cul-de-sac, c'est bizarre. Arrive en cul-de-sac avec des gens. Non, c'est interdit ça. Non. Je sais plus. Non, c'est accouplement en cul-de-sac. Non, c'est ça. Dépend des consignes de gare. À 200 mètres. Bravo, en dessous du préau aussi, je pourrais couper les la suite à soi. Un petit coup de vitesse et pour voir s'il réagit bien. Merde, il y a une neige. Je serre les fesses ici. Déverrouillage des portes pour nos amis les passagers. Ils peuvent embarquer gentiment. Dis qu'on est monsieur. Automatique sur off. Pression. C'est ça qu'il veut dire? C'est pas ça. Pourquoi il dit sur off? Pression, voilà, c'est ça. Bon, pas. Automatique sur off. Quoi, on... Ah, neutre, c'est off. Okay. On va plus dire neutre. Hein? On dit quoi? Antogra? Voilà. Apparemment. N'y a pas. Mais j'en peux rien là. On peut hop. Bien baisser le pantographe. Oh, c'est bien ce qu'il. Voilà. L'inverseur sur on, sur donc non, mais pas de position non, on a trop. Je comprends pas.
comprends pas. Ces scénarios, ils sont pourris, hein, je peux le dire, moi. Là, inverseur. Attends, je vais réessayer ça, alors. On va faire sauvegarder d'abord. On va faire... Comment on fait? Un de nettoyer et recommencer. Non, c'est pas... Il n'y a pas de position non qu'on met. Je comprends pas. Il m'a dit pas. Il n'est pas fou. Peut pas. On peut pas. Je suis coincé. Ah, voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est bon? Apparemment, ça m'a arrangé le problème. Dans le ciel, le quai est à gauche. Attends, je peux pas parler maintenant. Facile pour fermer la porte ici. Est-ce que j'ai les rouges? Ouais. Heureusement j'ai pu réinitialiser le train, mais vous avez vu c'était bugué, on ne pouvait rien faire. Bon, heureusement ça va me sauver le coup, j'espère. Sinon c'était mort. Hein. J'avais pété le plomb à des gens, ils sont bien au chaud, je suis comme cahier de mort. 10h du mat, 7h du mat. Ouais. Changer de cabine. T'as pas un petit café quelque part pour moi là? Un peu. À chauffer. Ah, mais elle est à l'intérieur là. Tac, je me la clape dans la figure. J'ouvre celle du PC. Je me la clape dans la figure. Ça sied pour on se relève direct. Ouais, appuyez sur le bouton de cabine. Mais allez, il faut se lever pour revenir ici. C'est bon. Inverseur sur neutre. Avec le pantographe. Combiné passager. Voilà, phare. Parent. Desserrage. On a les portes ouvertes. On a les portes ouvertes. Fermer les portes à droite. Il a oublié de me dire de fermer les portes. Ça devait se faire peut-être de l'autre côté, je sais pas. Pas de traction. Arrêter l'emplacement. Le même problème que j'ai pas de traction les gars. C'est plus étendant, hein. Le ponto est bien levé. J'ai mes appareils tournants. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah, c'est bon. L'automatique est bien desserrée. Je vais faire un serrage, un desserrage peut-être. Il est coincé, lui. Ok. Je me suis encore bugué. Oh, c'est chiant. Il y a eu je sais pas combien de fois ce bug de pas de traction. Je peux rien faire. Je vois pas. Ah si, mais j'ai encore mes portes à droite qui sont ouvertes. Mais c'est quoi ces conneries?
Ben voilà, maintenant c'est arrangé, mes portes sont fermées, j'aurai de l'attraction. Mec, c'est quoi ces conneries là? Je comprends rien. On peut démarrer avec un serveur. On va à Boston Back Bay voir une. Bizarre hein, leur truc quand même là. Les scénarios sont pourris. Ils sont pourris de chez pourris. Ça me dit moi, ça. C'est bien. Là, je connais désactivé mais désactive pas. C'est fou quand même. Oui. Le plafonnier désactivé, il marche pas, regardez. Un plafonnier désactivé, il est toujours allumé. Ah, ouais, laisse tomber. Hein. Et ces attractions, je comprends qu'on les a remplacées hein, parce qu'elles ont des gros problèmes techniques. C'est plein de court-circuits là-dedans. C'est quoi ces conneries là? Y a rien qui marche. Tous les boutons sont foutus. Regarde. Non, c'est pas ça. Ça. Activer. Activer. Désactiver. Il désactive pas le plafonnier. Ah, il a là le DJ, je cherchais tout à l'heure. Mais je pense pas que c'était ça le problème. On va se mettre à queue. Hein. La mèche plus haut. La mèche plus haut. Bon, ça donne des éclairages, je suppose. Non, ça donne des mèches plus haut. Ah merde, ça descend. Eh ben, j'aimerais pas te faire des trains quand même avec ces engins ici, que j'ai que des emmerdes. J'ai des problèmes techniques avec ces engins ici. Peut-être moi qui les maîtrise pas bien, mais. Pourtant, j'ai suivi toutes leurs indications, je ne vois pas le problème. Non, qu'est-ce qu'on va faire le 24 à l'heure bientôt? Il aura passé la dernière aiguille. Voilà, tu vois, on va pas se stresser. M'a invité un coup de frein. Par contre, ça continue à descendre. Qu'est-ce qu'on fait après? On embarque les passagers. On roule 10 minutes. Ah ouais, on fait un train carrément. Hein. On va jusque Providence. J'aime bien ce nom-là, Providence, c'est joli. On va faire un petit tour à Providence quand même. Okay. On se taquer. Espérons que tout se passe bien. Je peux pas éteindre, s'il vous plaît. Pas désactiver. Il y a 10 minutes. Ouais, c'est bon. Tu vois? Ouais, peut-être encore un peu, ouais. C'est pas assez dur. 220, 200, 220. On le laisse toujours un tout petit peu plus. Quand tu sors les petits pains du four, tu les entends craquer là, ça fait tout seul. Si ça fait pas ça, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Oh bien. C'est ça, ils sont pas craqués. Ils m'ont pas fait craquer. Ça c'est bon. Je perds ma traction. Ça me fait peur le con. Hein. Il faut que je freine un peu, des fois je perds ma traction. Ils vont au quai de Boston Back Bay, voie une. Il fait un petit peu vite, je trouve.
C'est un pile poil. Millimètres. Déverrouille les portes. Oui, je vais ramener. J'aime bien la couleur. Bleu, comme ça, c'est trop beau. Bleu, 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 bleu. Enfin, pour Providence, hein, c'est affiché à l'écran. Je reviens dans le PC. On verrouille. Et on est parti. Est-ce kilomètres? On s'arrête à la route 128 voie 1 et après on aura Providence. Je nous réserve la Providence. Ok, pas les prochains épisodes. Voilà, c'était pas mal, on a fait carouage, on a fait tout le tour, on a fait le tête à queue, on a amené à quai, on a pris les gens, maintenant on va faire le train. C'est tôt, hein, c'est le train des navetteurs à 7 h du mat. Ah, ça descend aussi. Ça monte. Reprise, hein, je crois qu'il y a une reprise. Voilà. On entendait au moins là. Oui, hop, 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 hop. J'ai un coup de pompe. Ah, je vais bientôt manger. Et ce train, je vais peut-être manger. Ah, c'est bien là. Un peu doré, petit pain doré. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est pas chaud. On peut tirer. Ah merde, j'ai pas de tinos parce que je suis dehors d'os. Dès que je suis sorti du tunnel, j'ai patiné dans la côte là. C'est vrai. Sensible, hein. Attends, j'étais quand même bien lancé là, je suis à 80 l'heure. Pas sur du plat. Je vais les essuie-masse en mode normal. Oh, content que passer. Ça redescend un petit peu. On va essayer de se lancer quand même, mais il veut pas. Hein. Là, on est dans le tunnel, ça devrait aller, non? Allez, dans le tunnel, on va se lancer. On est déjà sorti du tunnel. Lâcher le patinage. Bon, ça monte pas des masses. J'ai pas envie de ralentir. Qu'on sort à la neige, ça patine. Exagéré, oh, c'est exagéré ça. En vrai, ça arrive pas comme ça. Pour la vitesse, t'es lancé là. Ton train ne peut pas patiner. Ouais, j'y crois pas une seconde. Alors, ils sont tellement puissants les moteurs. Les roues tournent comme des folles. Plutôt sur les feuilles mortes qu'on a du patinage, mais pas sur la neige. Voilà, tiens, le train ça tient bien la neige. Les caténaires qu'il y a. Allez, 12 km pour la route 128. Mon fou qui dit qu'il patine, on va quand même rouler parce qu'on va jamais prendre à 3. On est déjà en retard. Voilà, ça va bien bien. Par contre, pour les arrêts, il faudra faire gaffe si ça glisse.
J'aime le bruit. Afusatos. Los fusetos. Los fractionos. Ah, ça redescend, attention. 7 km. Ouais, on commence à laisser aller le train. Ouh, je fais le foufou. Un peu le coup. Mon nom sont des gens gentils, le chien. Ouais, tu vois, le kilomètre. Pas grand chose. Je suggère qu'on fasse un petit freinage. Freinage pour casser la vitesse vers les 100 à l'heure. Bien s'arrêter et ce n'est pas s'inverser. Imagine, si à 209 à l'heure, je garantis que tu t'arrêtes pas. Ok. Ah, si tu passes ici ou c'est le 209 et que tu as 209, t'arrêtes jamais. Ok. Je crois pas. Alors, t'as tué tous les passagers, ils sont tous en dessus ou derrière. On continue à ralentir gentiment. Touche au clavier. Donc j'ai la touche Windows. Ah, qui est en plat.
Ah, du monde ici, on voit que c'est les heures de pointe, hein. 5 milliards blindés là. Ah ouais, il faut bloquer. Il y a un total. Il y en a ceux qui ont parapluie fermé et parapluie ouvert. Bien, bien, bien. Allez, go. Bon, ici. Brouillage à droite. Bah oui, hein, ouais. J'ai l'impression que les gens ils montaient pas. Non, il marche, ok, mais il monte pas dans le train. Un peu buggé, hein. Bon. On verrouille. Et on va à Providence, 48 km. Ah ouais, là maintenant ça va être the trot. Ouais, pour redémarrer ici, on va compatiner quoi. 4 crans pour voir. C'est sur du plat quand même. Ah ouais, 48 km à faire. Hein. Dans le noir, dans le brouillard, dans la neige. Ah, tu veux faire voir, ah ouais, ça pas tenu passer, mais c'est moi, c'est exagéré, les gars. Faire du sable, on fait là. Ça patine, ça roule bien. Allez hop. Exagère ça, c'est pas vrai. Compensez-moi. On met de l'huile sous les rails. Vraiment d'huile d'olive, ça renversé sur les rails. Ouais, ça ouais. Allez, on doit rouler à 200 là. Go go go. Tout petit. En 6 km, on roule à 200 à l'heure. 10 minutes. Non, 12 minutes. 12 fois 5, 60. 12 minutes à 200 à l'heure, on est arrivé. Il faut que j'arrive à 200 à l'heure. Ah, c'est pas qu'on gagne. Pas ça va. J'ai laissé un billet là avant de partir. On va essayer de tenir le 200 pour le 200. Pas mal.
Providence, Providence, on avance 39 km. Wababalouabalabambam. On va être Providence. C'est Robert. Elle est dans une petite gare, lui. Sacré Robert. Un mauvais coup. C'est Marcel, maintenant il se suit. Hein. Ça va que le train dans le sens. Regarde, deux trains de suite que le là. C'est pas possible. Un problème dans l'autre sens. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il n'y a pas deux sens. Il y en a deux sens, c'est bien. Il n'y a pas possible. Je vois rien. Ah, ça descend. C'est tombé. Il va falloir qu'il m'assure un petit peu. Oh, on a passé un niveau. On a conduit 100 miles. 150 km avec la Sedan Amtrak. On a 150 km. Pas mal, hein? Ah merde, ça descend. Il y a un 201. Ça va être un peu embêtant parce qu'on va trop vite. Il y a un 201, mais pas longtemps. Tu crois qu'on va tenir ou quoi? Ah, je suis à 201. Yes! Bien chaud, wagon restaurant, café, tout ça. Ouvre pour eux, notre trajet compliqué. 32 km encore à faire. Allez, faut qu'on tourne en 32 km. À 241. On sait pas rouler plus que 200, c'est déjà pas mal. Il y a trop de changements de vitesse sur cette ligne, non? Ouais, un peu de 240, tu crois? Risqué, non? On peut essayer. Pourquoi pas. J'ai peur que la vitesse rechange directement après, c'est embêtant. Oui, mamie. Il va encore un peu. C'est vrai que nous on fait des trains rapides, hein, c'est pas les omnibus. C'est bien, on a tout ouvert. Ça descend un peu. 220, c'est bien 220.
Ah oui, on tient le 230. La bonne. C'est le train. Pour 20 km, 21 km. Ah bah c'est quoi? C'est tout faire pour pas freiner. Freiner le moins possible. En utilisant le profil de ligne. Kilomètres les amis, pas de sauvegarde, tiens. Parce que j'ai envie de me retaper tout le truc. Yep là, merde. 19 km. Ah, c'est un peu jaune là. Pas pour moi, elle est pas à côté. La ligne à droite. Upla. Jaune rouge. Ça va jamais m'arrêter. T'as vu 3 signaux ici. On a pas d'une ville là. Nous partons vers Providence, les amis. Je vais laisser aller à 20 km. Oula, 16 km. Je viens de regarder, c'était 20 km, on n'est plus qu'à 15. Plus il se passe dans les kilomètres, mais... je commence à décélérer là parce qu'on va trop vite à 200. Commence à redescendre. On va redescendre sur Terre là. Ah, mais il y a un ralentissement, tu vois. Senti qu'il fallait commencer à ralentir. C'est parce que j'arrivais pas à temps. Ça c'est bon. On est plus poil là. Voilà. Ah, on n'a pas bugué. Là, le profil de la ligne est tordu. La ligne est tordue, la ligne est tordue. Ok. Oui. On a bien mangé. Kilomètres à faire. Et ben on aura roulé aujourd'hui, hein. Pas mal quand même. Bon, c'est pas mes préférés, hein. Celle-ci, si je vous dis, c'est la vieille Amtrak. C'est pas les modernes, ça. C'est la vieille tout abîmée. Allez, ok. Regarde, il y a 90 aléatoires, donc il va ralentir. Hein. En douter. J'aime bien, je roule à l'instinct, mais l'instinct il est bon.
logique, hein. Je vais jamais t'arrêter comme ça dans une gare quand t'arrives à 200 à l'heure, faut faire progressivement. Hein. Voilà, on va rester là encore un peu les fesses parce que je crois que ça devrait aller. Toujours en descente, alors on risque de prendre encore un peu de vitesse. 7,5 km de destination. Providence, j'adore ce nom, Providence. Oh non, je trouve. Oh, là, il y a un 113 et direct un 97. Donc, 113, il sert à rien. Voilà. Donc, on soit à 80, qu'on est à 2 km de la gare. C'est bon. Ah, ouais, on prend un petit. Un petit chemin, ça va pas faire mal. C'est bip. On redescend. 5 km, Providence. Providence, on se aux audacieux. Moi, c'est la fortune. Pas du tout colonial. Comment ça, comme tous les soirs? On va commencer à décélérer un peu ici. Voilà, il y aura plus de là-bas. Oh, ça arrive par les lumières. C'est serré là. On est trop serré les mecs. Non mais je suis tombé dans mes touches finalement. En vrai. Ouais. Ah oui, on va rester autour du 60. De toute façon, on est dans la neige, dans la glissade, dans le brouillard. On va pas faire le con. On arrive sur les jaunes jaunes. Jaune jaune. Tout, 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 tout. Ça va, on s'est quand même bien débrouillé. Je suis content, j'ai eu peur des bugs et tout bordel là, parce que là, on a une autre dose quand même. Hein. On a eu quand même un bug, hein. J'ai dû réinitialiser le PC pour passer outre, sinon on était mal hein, dans le cul-de-sac tout à l'heure. On m'a fait flipper de recommencer tout encore. Hein. Bip bip 3 km. C'est un scénario qui va nous faire dans les 8000 à l'XP, 8500, 8700, allez, 8700. 2,5 km.
test. Oh, un petit coup de poing. Oui, un 48 là, les gars. On approche. Un feu jaune. Deuxième feu jaune, c'est 40. Ça descend. Je vais mettre 7. Providence, nous voici. Qu'est-ce qui nous attend à Providence? Je sais pas si on peut aller plus loin, Providence, sur cette ligne. Non, j'ai pas été plus loin. Là, on a le feu jaune et après on aura le 48 à 500. Jaune, puis un deuxième jaune de rouge. Ça descend un petit peu. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. L'instant, ça va commencer. Arrivons en gare de Providence. Nous arrivons en gare de Providence. Vous êtes vivant. Vous êtes au chaud. Providence voit une, Providence voit une. J'ai pas vos objets dans le train. En beauté, en douceur, en petite finesse. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Les déverrouillons. Déverrouillons ces petites portes. Nos ados admirables de passagers. Regardez ça, tout le train bien, c'est fantastique. Ils sont contents. Dans l'abri, ça n'a même pas été. Je comprends pas les gens qui attendent dehors où il neige alors qu'il y a le préau, tu vois. C'est toujours fasciné ça. Et voilà, nous verrouillons. Et je pense qu'on a fini notre mission. Voilà. Bing. Oui, jouer surtout par cette météo. Nous avons mis nos performances. Ah là, je reconnais que la météo n'était pas clémente. Clémente du tout. C'est quoi, c'est médaille quoi ça? Platine? Ou c'est médaille d'argent? Ah, c'est peut-être la médaille d'argent. Je pense que c'est la médaille d'argent. Pas la médaille d'or. J'ai dû la rater de quelque peu. On va retourner voir. Dit le monsieur. Dépôt de train, scénario, Acela Express. Ah ouais, c'est la médaille. Oh, c'était 10 000. Ah ouais, non. J'étais à 8 600. Je crois que 10 000, ça va être un peu compliqué à faire, hein. Pour cette médaille, je pense qu'elle est très dure à obtenir. Ils ont mis que c'était en facile.
Je l'aurais mis 3, moi. J'aurais mis en jaune comme ça. Parce que là, c'était pas évident celui-là. Sincèrement. Hein. Voilà. Prenez le commande de la rame 18. 5 voitures. Sans bonne autre fois. De Poston à Providence. Ok. Ah ben, apparemment, celui-là, on va sûrement faire tous les arrêts. Regardez, de Boston à Providence, parce que ça dure 45 minutes, alors que le trajet peut se faire en moins d'une demi-heure. Ok, j'espère que ça vous a plu, les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, il a duré longtemps celui-ci.